sur le fond de sa poterie, le marchand, marchant, marchant vers l'antre de sa fonderie. Il a modelé, martelé, matelassé, non, pas matelassé, pétri la terre. Rose, rouge, brune. Elle sera marron. Il pétrit, il enfourne, il pose. C'est l'amour qu'il prépare. Il appuie sur le bouton et ça chauffe, ça chauffe. Dans sa barbe, il sait que le sous-marin ne sera pas jaune. Il sera ce que le client verra. Il aura la surprise de la rencontre. Le couple passe par là. Ils le connaissent parce que les parents leur ont montré, leur ont offert une bonbonnière en biscuit, en rafou, en racou. Oui, la cuisson est terminée. Ah non, il laque. Il rentre le sous-marin dans le four et c'est reparti. La deuxième couche de fumée. Ça y est, c'est terminé. Les bébés qui frisent dans les hublots, la beauté qui surplombe là-haut et ça regarde le monde. Il sera là sur la tombe et il regardera le monde. Qu'est-ce que t'en penses? On le prend? Le prix? Ah, quand même. C'est dans nos moyens. Le couple qui n'a pas d'enfants emmène le sous-marin qui les emmènera dans le monde. Des enfants? Pas d'enfants. On découvrira le monde. Lac Léman. Là, Clément, Maxime, Roger, Jean, Paul, Albert.